Pour ne pas perdre le travail accompli, il est nécessaire d'effectuer des backups réguliers. Et pour cela, je vais vous montrer la méthode appropriée. Pour commencer, il faut se rendre dans localhost phpMyAdmin. Ensuite, il faut cliquer sur Bibli afin de rentrer dans la table du logiciel PMB. Puis, il faut cliquer sur Exporter. Dans l'onglet Exporter, il n'y a rien à changer. Par contre, dans les options, il ne faut pas oublier de cocher Utiliser le mode transactionnel. Il faut également cocher Transmettre. On peut également introduire un modèle de nom de fichier pour les prochains backups, ce que je ne vais pas faire dans cette vidéo, et demander à ce que le document soit compressé, ce que je ne vais pas faire. Enfin, il suffit de cliquer sur Exécuter. Et voilà, le fichier est occupé à se télécharger. Une fois ce fichier téléchargé, il suffit de le placer dans un dossier afin qu'il soit protégé et accessible en cas de problème. En effet, ce fichier sera utilisé afin de restaurer la base de données si celle-ci a un problème.